Le 21 janvier 2021, Anthony Delon faisait ses adieux à sa mère, décédée à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer du pancréas. Anthony revient sur les derniers instants de sa maman, entourée de sa famille. Il la décrit comme une force de la nature, une femme libre et courageuse. Au cours de cette nuit éprouvante, Nathalie a fait une confidence surprenante à son fils, une phrase qu'il n'oubliera jamais. « Ce soir-là, elle m'a dit qu'elle n'avait pas peur de partir. » Encore aujourd'hui, il ne peut être qu'admiratif du combat mené par sa maman contre la maladie. Durant les 37 jours qui ont précédé sa mort, il a souhaité filmer chacun des derniers moments de sa vie afin que personne n'oublie qui était sa regrettée maman. « J'ai filmé son dernier Noël, tous ses moments précieux avec ses amis, ses enfants, avec mon père également. Je les ai interrogés sur la vie, la mort. » Anthony a décidé d'en faire un documentaire dont il a déjà choisi le titre « La meilleure façon de partir ».